Coucou les créatifs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes d'humeur bricoleuse. On se retrouve pour le papillon du jeudi de Colle tout partout, le petit challenge du printemps. Le thème cette semaine, c'est noir, crème et dentelle. Alors, j'ai regroupé ce que j'avais de noir, de crème et de dentelle. La dentelle crème, j'ai aussi la dentelle grise et marron et rose. Du coup, ça rentre pas dans le thème. J'ai un ancien rideau. Un bout de rideau qui est crème, donc je me dis c'est pas mal, et pour la base j'avais envie d'utiliser ce chemin de table, c'est écrit dessus en plus, chemin de table, parce qu'il est, je sais pas si ça se voit bien, oui ça se voit bien, noir pailleté comme base. On va voir, ça m'a l'air assez épais, j'aurais peut-être même pas besoin de rajouter du carton. Allez, on fait ça, c'est parti. Alors je l'avais trouvé chez Action en période de Noël. Je ne m'en rappelle plus du tout le prix. Mais j'étais super fan. Je me suis dit, oh c'est trop beau ça pour des créas. Je ne pensais pas le mettre sur ma table. Bien, c'est joli. Et c'est un peu fin. Il fait 28 cm de. Alors genre c'est fait. Enfin je trouve que ça fait pas large. En même temps les tables. C'est juste pour apporter un petit peu de hauteur. Je sais pas. Oui, alors je pense que je vais prendre cette taille-là par rapport à mon bout de dentelle. On va faire un carré approximatif. Il est très plastifié dessous. J'espérais pouvoir faire des découpes dedans. Je suis pas sûre que ça se coupe bien ça. Je me dis, j'ai peut-être fait une boulette. En même temps, non, en fait, je pourrais pas faire le tour là. Comment je vais le marquer là? Je vais d'abord couper ma dentelle. Enfin, coller ma dentelle avant de la couper. Je vais d'abord faire le dessin. C'est ce que je pensais, ça marque rien du tout. Marqueur, j'ai peur. Non, marqueur, ça marcherait, c'est sûr. Mais j'ai pas envie de risquer de fuser du noir sur mon papillon. Le stylo, ça marche à peu près. Ça va pas trop adhérer au plastique. On va faire ça. Je vais nettoyer mon pinceau. J'espère que ça aura suffi pour que ça sèche. Alors, voyons voir. Hop. Ça va pas adhérer sur le plastique. Bah, allez, ça m'a l'air pas trop mal. On va couper les petits papillons. Sauf joli, sinon. J'ai tout collé le ciseau, j'ai les doigts tout collés. Ah, c'est joli. Là, on a fait une petite cagade. En perles comme ça, j'aime bien. Oh, un ou plus étroit, c'est pas mal aussi.
Là, ça irait jusqu'à la tête. Je vais essayer de récupérer quand même là. La partie adhésive, on essaie de la récupérer. Donc ça ne marche pas du tout sur le verso. Hein, si l'envie vous prenez comme à moi. Hop. J'ai testé, ça ne marche pas bien du tout. C'est fait comme comme une petite boutonnière. Est-ce que je mets mes petites fleurs noires? Alors j'ai cherché les copines, bon, c'est moi qui les avais mélangées pour faire les pochettes pour les copinettes aussi. Ce format n'est plus en vente, mais je vous ai trouvé des formats similaires, je vous les ai mis sous le papillon violet en fait, quand vous ne l'ayez pas vu. Après j'avais envie de jouer un peu plus sur le crème. Je sais pas. En fait, le fait qu'il y ait la dentelle partout, bah du coup, je sais pas trop. Je peux pas le charger, mais en même temps, on déco noir en fait. Moi, c'est pas ce que j'ai le plus. J'ai des araignées, non? Les petites fleurs, elles sont blanches, elles sont pas crème. J'ai pas d'encre crème pour d'autres fleurs que je pourrais prendre plus crème. Il va falloir quand même que je mette sur une carte honnête. Après la dentelle comme ça, je m'étais dit peut-être faire un peu le tour du papillon, parce que je pense qu'il n'y a pas assez. Faire des ronds. J'y arrive pas bien. J'ai pas de laine pour faire... des petites fleurs en crochet, parce que là ça aurait été super bien, des petites fleurs en crochet crème, mais je n'ai pas de laine crème. J'ai cherché, j'ai une qui s'appelle vanille, mais elle fait vraiment marron en fait. Elle est plus foncée que ça. Oh, j'ai mes petits boutons. En cœur de fleurs. Si j'ai une image, je vais voir ça. Voilà, j'ai retrouvé, c'est vrai, j'avais fait ça dans du papier. Ma carte honnête de récup, c'est crème. On voit bien la différence à côté du blanc. Donc, j'ai ces petites fleurs et là, voilà, j'avais acheté ces petits stickers. Je vous mets le lien dans la description. Je vais mettre le lien aussi des stickers fleurs. Aquarelles que j'ai donné aux copines qui ont gagné le petit concours. Non mais il y a un autre papillon. Il y a un papillon. Le papillon.
Tiens, j'adore. Les Chinois, ils savent pas forcément. C'est à l'envers. Le papillon, j'aime bien. En fait, au début, je cherchais la bouteille de parfum. Non, je mets les deux. Non, j'aime bien ça. Mais elle est où cette bouteille de parfum? Ce n'est pas celle-là. On tire sur le marron, celle-là. C'est dommage. Marron un peu violacé. Voilà, c'était celle-là. Je crois qu'elle est tout début, en fait. À l'envers. J'aime bien. En fait, il y a des fleurs qui devraient l'aider à être visible. Bon, ouf, j'ai eu de la chance. Non, en fait, c'est l'envers de mes feuilles argentées. J'ai l'impression que ça sèche pas sur la dentelle, c'est encore humide là. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Même plus assez ce papillon un peu romantique, gothique, je sais pas. J'ai envie de rajouter une grosse trace. On va tester la résistance de... Ou alors de l'universel? Non, parce que c'est ça encore de l'humide, peut-être là. Donc... On va essayer ça. Là, ce pistolet à colle, normalement, c'était pas... C'était pas prévu initialement. Ça a l'air de prendre. Et laisser sécher gentiment. Hop. J'espère que vous avez passé un agréable moment à bricoler avec moi. Et si ça vous a inspiré, à vous de jouer.